Comme d'habitude, je suis complètement seul. On peut donc tirer pleine ligne. Malheureusement, ce beau sanglier sera raté. Avec les consignes de tir données le matin, je préfère m'abstenir de tirer ce sanglier. Je suis complètement seul à garder la plaine. Je peux donc me déplacer à ma guise et donc recouper ce sanglier pour le tirer. Par contre, je suis vraiment désolé. Avec ce magnifique temps, il y a un petit peu d'eau qui s'est déposée sur la lentille de la caméra. Et donc, par le fait, on ne voit pas le sanglier que je tire. Je me décide d'aller à la rencontre du sanglier pour le servir au cas où il ne sera pas encore mort. Il sera mort à mon arrivée. Et à l'arrivée, on aura un beau petit mâle de 91 kilos. Une belle Copanée m'arrive. J'ai vraiment de la chance en ce moment. Alors là, cette cartouche, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas voulu partir du tout. Ma première et ma troisième cartouche me semblent plutôt pas mal, mais malheureusement, je ne retrouverai aucun indice. J'ai vraiment de la chance, première sortie avec ma nouvelle caméra, un beau sanglier m'arrive. J'étais vraiment sûr de ma balle, elle a dû être déviée par des bas niveaux. Yes, elle est bonne. Malheureusement, je ne sais pas, celle-ci a dû être certainement déviée ou j'ai dû avoir un arbre juste avant. Au moment où je tire et il tourne légèrement, je le tire donc de trois quarts et j'essaye quand même de le tirer pour le rachever, sachant que je l'ai blessé déjà. Tire par derrière, Jean-Luc! Il y a les chiens qui vont dessus! Je vous laisse vivre la scène complètement et je suis vraiment désolé pour les quelques grossièretés que je vais sortir. Perdu où le con là? Eh oui, je pensais être arrivé à l'endroit où il était tombé. Malheureusement, j'étais un petit peu trop bas. Voilà.
Cyril! Viens là! Venez là! Comme les chiens ne risquent rien, je décide de me placer correctement. Ayant oublié mon couteau dans la précipitation, je vais être obligé de le rachever à la carabine. Venez là, filez! Évidemment, je remercie les chiens et je remercie mon tracker préféré de m'avoir envoyé ce beau sanglier. Petite précision, je respire plutôt fort, j'étais vraiment très malade ce week-end. C'est bien, allez, allez! À l'arrivée, on aura quand même un beau petit pépère de 110 kilos. Et il sera quand même un petit peu armé, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même pas vilain. Alors dites-moi par contre en commentaire si vous avez bien aimé que je vous explique les scènes de chasse à l'oral, ou si vous préférez que je vous les explique à l'écrit comme dans mes vidéos précédentes. Je suis quand même bien curieux de connaître votre réponse.